Un poco más, ¿eh? El pase de tablón sin así. Okay, no sé. Wow, nous sommes arrêtés où? Ouvrez vos cahiers. Ouvrez simplement vos cahiers et dites-nous à quel sous-titre sommes-nous arrêtés. On était aux indicateurs d'état, n'est-ce pas? Indicateurs d'état. Est-ce qu'on avait fait... Bon, attends, ça doit être ici. On avait parlé des périodes postnatales infantiles, c'est ça. C'est là-bas qu'on s'était arrêté. Période autour de la maternité et de la natalité périnatale. N'est-ce pas? Donc, toujours indicateur d'état. Indicateur. Toujours. Dans la partie des indicateurs d'état, c'est-à-dire des indicateurs statiques. Nous avons 10. Les indicateurs socio-économiques. Les indicateurs socio-économiques. Les indicateurs socio-économiques. Parmi ces indicateurs, nous pouvons énumérer le niveau de revenu. Niveau. Niveau de revenu. Niveau de revenu. Il y a aussi ce qu'on appelle population active. Population active. Donc là, on va parler, on va discuter du fait de la population, les activités que mènent les uns les autres. Et la différence, qu'est-ce que ça veut dire une population occupée?
ইনকোপ্লাস্টো হেওস্টোমা নিব ডিজাইন কাপের বেদা আরো তিন নিব গ্যালারি বিল্ডিং নিব দেরিবেন লাখো বিলাস আছে তিনি আসি কোন আপেল পপুলেশন কপিতে পপুলেশন কপিতে এর পয়েন্ট এসব দেখতে সব Ils sont âgés d'au moins 15 ans. Allez, je vais faire comme ça, des signes. Des personnes âgées, la courbe est supérieure ou égale. Supérieure ou égale à 15 ans. Toute personne qui a 15 ans, bon, on peut dire 15 ans, c'est jeune, mais ça fait partie aussi. Supérieure ou égale. Ayant un emploi. Ayant un emploi. Un emploi. Vidéo est pour aller. Pas d'aller avec elle. Donc, on est sur la démographie et on continue sous les sous-titres des indicateurs d'État. Sur les indicateurs d'État, nous avons les indicateurs socio-économiques. Maintenant, à la ligne, on va parler de niveau de revenu. Vous mettez niveau de revenu. Puis, à la ligne, population active. Population active. Dans le sous-titre des populations actives, nous avons une population occupée. Une population occupée qui est toute personne ayant 15 ans ou plus et qui a un emploi. C'est une personne occupée, il n'est pas au chômage, il travaille, cette personne, ce monsieur. Ou bien aussi, il y a les militaires. Personne âgée ou égale à 15 ans et a un emploi, plus les militaires aussi. On dit les militaires du contingent. Les militaires du contingent. Contingent. C-O-N-T-I-N-G-E-N-T. Militaires du contingent. Plus les apprentis. Plus les apprentis. Donc, personne occupée, c'est personne ayant 15 ans ou plus et qui détient un emploi, plus les militaires, plus les apprentis. Ça, c'est personne occupée. Personne occupée. Chômeur, par exemple. Chômeur, maintenant. Chômeur. Chômeur. Chômeur, c'est quoi? Personne ayant 15 ans ou plus. J'écris la même chose. Personne avec âge. Je parle, vous écrivez les titres. Personne âgée de 15 ans ou plus. Quinze ans plus, sans emploi, sans emploi, n'est-ce pas? Sans emploi, et qui est disponible, il est disponible, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun empêchement, qui est disponible. Et qui en recherche, c'est-à-dire qui recherche un emploi, qui en recherche,
Il recherche un emploi activement. Voilà. Donc, toujours, l'indicateur de l'État, les indicateurs socio-économiques, niveau de revenus, population active, population occupée, ça veut dire personne ayant 15 ans ou plus, et qui a un emploi, donc elle est occupée. C'est aussi les militaires et les apprentis, tous les gens qui travaillent dans les ateliers qui sont là, qui aident les autres. Ils ont un petit salaire, peut-être, mais ce sont des personnes occupées. Maintenant, les chômeurs, ce sont les personnes âgées de 15 ans ou plus, sans emploi, qui sont disponibles et qui cherchent activement un emploi. N'est-ce pas? Bon, maintenant, vous vous rappelez, on avait dit que voilà pour les indicateurs, on cherche des taux, des quotients, des ratios, etc. Donc maintenant, le taux de chômage, c'est ça. Taux de chômage, voilà la formule. Taux de chômage. Taux de chômage. Ici. Au dénominateur de la population active. On met une population active au dénominateur et au numérateur, nombre de chômeurs. Nombre de chômeurs. Bon, les taux, c'est toujours 1%. Bon, c'est toujours, vous aurez toujours 1%. Vous aurez un chiffre, mais 1%. N'est-ce pas? Ça. Donc, on a parlé de la population active, personnes occupées, c'est les personnes ayant 15 ans ou plus et qui ont un emploi. Ce sont les militaires aussi et les apprentis. Maintenant, les chômeurs, c'est une personne qui a 15 ans ou plus et qui n'a pas d'emploi et qui est disponible. Et surtout, il est à la recherche active d'un emploi. Maintenant, le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs utilisé par population active. Donc, on est en train de parler des indicateurs socio-économiques. Maintenant, on continue maintenant avec le taux de nuptialité. Taux nuptialité. Taux de nuptialité. Taux de nuptialité. Quand on parle de nuptialité, c'est le mariage. Tout ce qui a rapport avec le mariage. C'est le nombre de mariages. Là, on va directement à la fin. Nombre de mariages. Nombre de mariages. Dans l'année. Nombre de mariages dans l'année. Et au dénominateur, nous avons population moyenne de l'année. Population moyenne. Population moyenne de l'année. Population moyenne de l'année. Multiplié par 1000. Là, c'est pas.
Department, turun di UCR. Besok. Turun di UCR, nom de Marian Dallal, di Zepa, Population Moyenne, de l'année, et de retour, multiplié par 1000. Maintenant, taux de divorce, il y a le taux de divorcialité. Divorcialité. Taux de divorcialité. Là, c'est la même chose, non. Non, divorce. Dans la non de divorce dans la sur population moyenne. Population moyenne. Multiplié par 1000. Donc, on avait dit les indicateurs socio-économiques. Donc, ça, c'est les indicateurs sociaux, n'est-ce pas? Sociaux. Parce que ça a un trait, un lien avec la société, avec les plus sociales et sociaux. Divorce, mariage, chômage. Donc, toujours avec les indicateurs socio-économiques, ou bien sur les sociaux, nous avons ce qu'on appelle les caractéristiques de l'espace. C'est-à-dire maintenant, ça, c'est comment l'espace est occupé. C'est-à-dire l'urbanisme, le milieu urbain, le milieu périurbain, ou aussi le milieu rural, la division de l'espace. Donc, maintenant, on va dire caractéristiques de l'espace. Ça, description en bas. Caractéristiques de l'espace. Caractéristiques de l'espace. C'est noté, hein? Parmi les caractéristiques de l'espace, nous pouvons citer le pôle urbain. Le pôle urbain. Pôle urbain, on va faire maintenant une parenthèse. Ça, c'est comme les cités, les villes. Urbain, c'est la ville, quoi. Le pôle urbain, toute agglomération. Le pôle urbain consiste en toute agglomération. C'est toute agglomération. Toute agglomération. Toute agglomération. Qui offre. Vous pouvez écrire plus de 5000 emplois. Donc, quand on parle de pôle urbain, c'est-à-dire c'est toute agglomération pour offrir à ses habitants 5000 emplois. Si on peut trouver 5000 emplois dans une agglomération, une ville, un endroit, ça sera moins que cette agglomération est un pôle urbain. Plus de 5000 emplois. N'est-ce pas?
Maintenant, il y a les communes péri, les communes périurbaines. Bon, péri, c'est à la ville, à peu près, autour. Périurbaines. C'est une définition qu'il faut comprendre parce que vous aurez à voir ça dans le cadre de travail. Donc, ce sont des communes au-delà. Ce sont des communes au-delà d'un pôle urbain. Au-delà d'un pôle urbain, dont au moins 40% des actifs, c'est-à-dire des populations sont en âge de travailler, des actifs travail travaille sur l'ensemble de l'aire urbaine. Commune périurbaine égale commune au-delà des communes urbaines, donc au moins 40% des acteurs travaillent sur l'ensemble de l'aire urbaine. Donc, il y a une ville ici, mais autour de la ville, il y a des agglomérations, il y a des villages qui sont là. Mais ces villages emploient au moins 40% des personnes sur l'ensemble de l'aire, sur l'ensemble de leur pays. L'aire, vous comprenez, le mot aire, aire, c'est surface, n'est-ce pas? Bon, en général, cet espace, c'est un espace à dominante rurale, c'est surtout dans les villages. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est ça. Les indicateurs d'État, les indicateurs socio-économiques, niveau de revenus, population active, population occupée, personnes dont l'âge est supérieur ou égal à 15 ans et un emploi, et les militaires du contingent, plus les apprentis, chômeurs, personnes ayant 15 ans ou plus, sans emploi disponible et qui cherchent un emploi activement. Taux de chômage, nombre de chômeurs sur une population active multiplié par 100%. Ou encore, taux de nuptialité, c'est-à-dire nombre de mariages dans l'année, divisé par population moyenne de l'année, multiplié par 1000. Taux de divorcialité, nombre de divorces dans l'année sur une population moyenne, multiplié par 1000. Maintenant, caractéristique de l'espace, pôle urbain, public, toute agglomération qui offre plus de 5 000 emplois, commune périurbaine, commune au-delà d'un pôle urbain, dont au moins 40% des actifs travaillent sur l'ensemble de l'aire urbaine. Bon, je passe ça.
Ok. Toujours au niveau des indicateurs d'État, nous parlons des rapports de dépendance. Rapport de dépendance. Rapport de dépendance. Dépendance. Rapport de dépendance. Puis vous divisez entre le nombre total de 0 à 15 ans et de moins 65 à plus. Est-ce que vous comprenez? Qui accorde? Qui peut nous expliquer? Qui peut donner son point de vue? Expliquez-le. Que vous pour comprendre le rapport de dépendance, c'est quoi? Dépendance, c'est la personne, je ne pas un il est sous la responsabilité, c'est pas. Il va me donner le toit, le manger, mes amis, l'éducation. Bon, quand on parle de dépendance aussi, c'est les personnes qui sont âgées. Dans la famille de 65, parce que bon, ici, l'espérance de vie, c'est 65 ans. Donc, vous prenez tous les enfants qui ont moins de 15 ans. Tous les enfants moins de 15, plus tous les vieux, les vieillards, ou les personnes âgées qui ont plus de 65 ans. Vous prenez ça en numérateur. Et en deux, c'est leur population. Leur population. Donc, en gros, tous les moins de 15 ans, plus les plus de 65 ans. Mais divisé maintenant par le nombre de 15 ans, moins plus de 65 ans. C'est ça la forme.
Ah, c'est écrivez ici cette formule pour cet indicateur montre l'effort qui repose sur les actes sur les actifs qui reposent sur les actifs pour répondre aux besoins des plus jeunes, et des plus âgés. Voilà. Voilà, les plus jeunes, moins de 15 ans, les plus âgés, plus de 65 ans. Donc, cet indicateur montre l'effort que doivent faire les personnes qui sont actives, sur le plan de l'emploi, du travail, pour répondre aux besoins des plus jeunes et des plus âgés. Maintenant, si on vous demande de calculer l'indice de vieillissement d'une population, pour voir est-ce que cette population, la population de ce pays, est-elle vieillissante ou non? Donc, il y a une formule. Pour connaître l'indice de vieillissement de la population, d'une population, l'indice de vie, l'indice de vieillissement de la population égale là, on doit calculer le nombre de personnes de plus de 65 ans. Donc, c'est égal. Nombre supérieur ou égal à 65 ans. Pour 100 ans. Vous comprenez ça? Donc, pour connaître l'indice de vieillissement d'une population, on doit dénombrer l'effectif des 65 ans et plus. Des 65 ans et plus. Des 65 ans et plus, mais on doit le rapporter aux 100 enfants. Ça veut dire qu'il faut connaître, calculer la valeur des 65 ans et plus, puis calculer aussi les enfants, on va supposer que c'est 15 ans et moins. C'est moins de 15 ans. Les enfants, c'est moins de 15 ans. Maintenant, quand vous trouvez le nombre de 65 ans et plus,
Vous allez diviser par le nombre d'arbres. En faisant en sorte que c'est sur au moins 100 arbres. Divisé par 100. Bon, maintenant, il faut connaître la classification des postes de travail. On va classifier les gens selon l'emploi qu'ils occupent. Classification, maintenant c'est l'économie. On a quitté le social maintenant, l'économie plus ou moins. Classification en 8 postes. En 8 postes. Selon l'INSEE, ça c'est la France. Mais en 8 postes de la CSP, bon, ça c'est la classification en France, mais on a la même classification au Sénégal. Il y a en premier les agriculteurs. Agriculteurs. Les agriculteurs, les exploitants agricoles. Exploitants. Exploitants agricoles. En deuxième, il y a les cadres. Les cadres, bon, avant les cadres, excusez-moi, avant les cadres, il y a d'abord les artisans. Artisans. Commerçants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, chefs d'entreprise, agriculteurs, exploitants. Artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Ensuite, les cadres. Les cadres et professions intellectuelles. Profession plurielle, intellectuelle. Les professions intellectuelles, certainement, c'est l'avocat, c'est le professeur. Avocat ici, les tout cela. Ce sont des intellectuels. Donc, après les cadres et les professions intellectuelles, il y a ce qu'on appelle les professions intermédiaires. Profession intermédiaire. Profession intermédiaire. Bon, l'accent. Ensuite, il y a les employés. Les employés. Les ouvriers,
L'eritrite si trova in America. Sono altre e altre persone. Persone sa attività professionale. Ma sa se le sciogliamo sa attività professionale. Ma non si sa la classificazione sociale. Se non l'occupazione delle persone. Donc, a mi posto, agricoltore, esploitant, artisan, commerçant, chef d'entreprise, troisième, cadre professionnel intellectuel, ensuite, profession intermédiaire, virgule, employé, ouvrier, retraité ou autre personne n'est en pas. Ok, on y va. On a fini maintenant avec les indicateurs d'état. Indicateurs d'état, c'est fini. Donc maintenant, on va arriver aux indicateurs de mouvement. Indicateurs de mouvement. Donc, indicateurs de mouvement, c'est des indicateurs où il y a un déplacement. Donc, vous vous rappelez, l'autre jour, on a parlé de la migration et l'immigration. Donc, indicateur de mouvement, il y a la fécondité et la natalité. Natalité. Taux de taux global. Le taux global de fécondité dans la globalité. Donc, c'est le nombre de naissances vivantes pour 1000 femmes en âge de procréer, entre parenthèses, 15-49. Nombre, c'est le nombre de naissances. Nombre de naissances. Naissance vivante. Pour 1000 femmes. Pour 1000 femmes en âge de procréer. Pour 1000 femmes en âge de procréer. En parenthèse 15, 49.
È aperto globale. Globale. O bien, você sabe é para aspa. Sabe global para exemplo, parler de femmes de 15 ans ou de femmes de 30 ans ou de 40 ans. Ou par âge, entre parenthèses, âge atteint, dans l'année. Análise procriê, sabe, de 15 para maintenant, il y a celui-là. Alice. Alice, bonjour pour elle. Je fais mon livre. Indice conjoncturel de fécondité. Indice conjoncturel de fécondité, c'est la somme. Écoutez, c'est important, c'est un peu plus difficile que les autres. C'est la somme. C'est la somme des taux de fécondité
de l'absence des taux de fécondité. C'est la somme des taux de fécondité par âge. Après, on fera les exemples si on aura plus de temps. Par âge. Par âge des femmes. Des femmes. En âge de procréer. De procréer. Observer. Observer. À une année. Sont les taux de fécondité par âge à l'âge de procréer. Ça veut dire 15 ans, 16 ans, 17, 30, 40, tout ça. Il a vu le taux, le taux ici, le taux ici, le taux partout. Après, on fait la somme. Somme. On l'a vu. Bon, c'est une année considérée, par exemple, en 2024. Et pourquoi cet indicateur? Cet indicateur permet de mesurer. Ça, c'est juste des explications, mais cet indice permet, ça permet de mesurer le nombre d'enfants, ou de calculer le nombre d'enfants, de mesurer. Mesurer le nombre d'enfants qu'aurait une femme, le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Si le taux de fécondité, le taux de fécondité observé, observer pendant l'année considérée, l'année considérée, bon, il faut ajouter ça, l'année considérée à chaque âge demeurerait inchangée. Ah, ça, il faut après bien lire, relire et le processus. Donc, pendant l'année considérée, pour chaque âge, n'est-ce pas? Mais à chaque âge, pour chaque âge, demeure ou reste
Wow, eres superior cuando tú. Bueno, Juan, di, no te leto de qué es. Busca venda. Es venda, pero se puede ver. Ah, si viene ya, en persona, en fama, para no saber, si le tú eres en chambre, él ora para esa, a la fin de sa vie, de procreación, él ora en tel nombre d'un. Pode ser fácil. Sim, bom. Bon, maintenant, on va parler de la natalité. On a parlé de la fécondité. Maintenant, on va parler de la natalité, des naissances. La natalité, donc toujours au niveau de la fécondité et la natalité. Fécondité et natalité, on a maintenant le taux brut de natalité. Taux brut de natalité. C'est le nombre annuel de naissances vivantes pour 1000 habitants. Nombre annuel, nombre annuel de naissances naissance vivantes pour 1000 habitants. Pour 1000 habitants. Donc, au but de natalité, on comptabilise le nombre total de naissances vivantes pour 1000 habitants. Bon, est-ce qu'on va pas regarder ça? Consultez sur Google. Le taux brut de natalité au Sénégal. Taux brut de natalité. Donc ici, c'est un indicateur qui est global. Il faut compléter cet indicateur par les indicateurs précédents. Bon, la descendance finale. La descendance finale. Descendance
La descendance finale. Égal nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une génération de femmes en l'absence de mortalité tout au long de leur vie féconde. La descendance finale, c'est nombre moyen d'enfants. Vous voulez que j'écris? Nombre moyen d'enfants. Nombre moyen d'enfants que mettrait au monde. Que mettrait au monde. Au monde. Une génération de femmes pour mettre bien que ce soit des femmes, ça s'accorde avec une génération. Donc, singulier, mettre au monde une génération de femmes. Une génération de femmes. Une génération de femmes une génération de femmes en l'absence de mortalité une génération de femmes en l'absence de mortalité tout au long de leur vie féconde. Tout au long de la vie féconde. Deux points. Deux points. Elle est connue. Elle est connue à la fin de la période de procréation. Elle est connue à la fin de la période. À la fin de la période de procréation, période de procréation, de la génération considérée. De la génération considérée. Donc, point à la ligne. Ça, c'est un bon indicateur.
Vous pouvez même mettre une puce. C'est un bon indicateur, ou bien bon indicateur du remplacement des générations. Bon indicateur du remplacement des générations. Du remplacement des générations bon indicateur du remplacement des générations bon indicateur du remplacement des générations virgule libéré des faits sociaux. Libérer les frais sociaux et économiques libérer les frais sociaux et économiques. Je disais, c'était un bon indicateur du remplacement des générations. Libérer les frais sociaux. Les frais sociaux et économiques. Et économiques qui influencent la reproduction. Qui influencent influence la reproduction. Influence la reproduction. Donc, ici, toujours au niveau des indicateurs de mouvement, écrivez fécondité et remplacement. En haut, quoi, fécondité et remplacement des générations.
Vous avez écrit ça. Donc, une puce, ça, je vais l'écrire. Parce que je vois que si je n'écris pas, vous allez vous relâcher. Vous allez vous relâcher. Bon, puce, pour qu'une génération se remplace l'une par l'autre, pour une génération. Pour qu'une génération se remplace l'une par l'autre, l'une par l'autre, et une population. Une population donnée. Une population donnée, entre parenthèses, c'est-à-dire avec la migration nulle, avec migration nulle, migration nulle. Donc, aucune génération se remplace l'une par l'autre, c'est une population. Ne diminue pas. Ne diminue pas. Allez, on a éliminé le facteur de migration. On ne parle pas de migration. Donc, pour que la population se remplace l'une par l'autre et qu'il n'y a pas, et qu'elle ne diminue pas, qu'elle ne diminue pas, à terme, population complètement remplacée d'une par l'autre, et puis qu'elle ne diminue pas. Il faut, à la ligne où vous mettez tiré, il faut théoriquement, il faut sans femme. Sa femme doit donner. Sa femme doit donner naissance. Naissance à sa fille. Donc, c'est ça. Théoriquement, pour remplacer une population complètement. Et ça qui est diminution. Donc, on élimine tout ce qui est immigration et immigration. On conserve ça sur zéro, entre parenthèses. Donc, il faut que les 100 femmes puissent donner naissance à 100 filles. Bien sûr, quand elles donnent naissance à 100 filles, ça veut dire qu'en temps, il y a aussi des garçons. Peut-être plus de 100 garçons. Ah, c'est comme ça, c'est à peu près sinon tout ça. Mais même pas sinon tout ça. Je vais vous expliquer. Mais, il est mais, deux points. Le taux de masculinité, le taux de masculinité, voyez le mot masculin, ça veut dire garçon, homme. Le taux de masculinité à la naissance. En parenthèse, c'est 51,2%. Ça veut dire taux de masculinité, ça veut dire naissance des garçons, des bébés garçons. Ça veut dire il n'est il n'est 105 garçons pour 100 filles. 100 filles. Donc, pour avoir une naissance
Mais ça, on a un peu plus de garçons. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez cela? Ne comprenez pas ça? C'est-à-dire, une femme, quand elle met au monde, on peut dire, on peut avoir deux choses. Ou un garçon ou une fille. Mais les travaux dans la liste des recherches ont prouvé qu'il naît un peu plus de garçons que de filles. À la naissance, si on compte toutes les naissances, on dit, il y a un peu plus de garçons. Quand il y a 100 filles qui sont nées, il va compter qu'il y a 105 garçons. Vous comprenez maintenant? N'est-ce pas? C'est pourquoi le taux, il est comme ça. C'est 51% pour les garçons. Garçons, 51,2%. Voilà. Donc, les filles, c'est 100% moins 51,2%, c'est égal. 48,8%. Ouais. C'est ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même si nous avons fait le cas. Alors, s'il y a 100 filles, 100 filles, admettons ça, dans le 48,8%. Maintenant, le reste d'ailleurs, 1,5%. Non, 1,2%. Ça veut dire combien? Bon, pour ça, on a 40. Et pour ça, on a X. N'est-ce pas? Donc, X. 48,8 multiplié par X. C'est égal à 100. Point 1, multiplié. Donc, X égale 2 par 6. S'il vous plaît, faites-moi ce calcul pour avoir combien ça va donner. C'est comme ça, 120 divisé par 48,8. C'est combien? 2,4. C'est ça, 2,4. Voilà. Ça, c'est juste pour vérifier quelque chose. 2,4. Donc, théoriquement, 100 femmes doivent donner naissance à 100 filles
Mais le taux de masculinité à la naissance est de 51,2%. Donc, il naît 105 garçons pour 100 filles. Donc, maintenant, pour. Il faut donc 105 plus 100 nous donne 205. Il faut 205 naissances au total. Il faut 205 naissances en tout. Pour le terme utilisé, c'est quoi? Il faut 205 naissances pour remplacer. Pour remplacer 100 femmes. Bon, ici, pour changer, remplacer complètement la génération, il faut que les 100 femmes donnent naissance à 100 filles. Mais comme nous savons que la naissance, bon, le sexe, c'est déterminé de façon aléatoire, c'est une sorte de probabilité. Donc, le taux de masculinité à la naissance, c'est 51,2%. Donc, il naît 105 garçons pour 100 filles. Mais maintenant, pour remplacer les 100 femmes, il faut 100 filles. Donc, on ne peut pas savoir. Les filles, toutes les filles, les femmes ne vont pas donner naissance à la chaîne, comme ça, les filles seulement. Puis après, les garçons, tout est mélangé. C'est une probabilité. Donc, il faut 205 naissances au total, composées de garçons et de filles, pour remplacer 100 femmes. C'est compris? Vous comprenez? Parce que, bon. C'est mélangé. Il y aura des naissances avec des garçons, des naissances des filles. Donc, au total, pour avoir 100 filles, il faut 105 garçons. Donc, pour remplacer complètement 100 femmes, il faut 100 filles. Ça veut dire au total, les naissances, au moins 100 filles et 100 garçons. 105 garçons, oui, 250. 250 naissances composées de filles et de garçons. Pour remplacer 100 femmes. Et ensuite, il faut tenir compte du taux de mortalité parce que on ne peut pas exclure du fait que bon, il y aura de mortalité et le taux de mortalité avant l'âge de 15 ans. Donc, fermez la parenthèse. Et le taux de mortalité, le taux de mortalité avant l'âge de 15 ans, avant l'âge de 15 ans, c'est à partir de 15 ans, c'est l'âge de 15 ans qu'on a choisi, en tout cas pour dire que c'est à ce moment que la femme peut commencer à procréer. Le taux de mortalité avant l'âge de 15 ans, l'âge de 15 ans, c'est l'âge de la procréation. L'âge de la procréation. Bon, le taux de mortalité à 15 ans, c'est pas beaucoup, c'est 2 à 3 %. Entre parenthèses, 2 à 3 %. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre 105 garçons pour 100 filles. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas fini. Il faut aussi prendre en compte le taux de mortalité de ces enfants. C'est-à-dire avant d'avoir l'âge de 15 ans.
ces filles et ces garçons qui naissent. Voilà, on est sur les filles qui naissent avant d'avoir l'âge de 15 ans. Elles ont c'est un âge où le taux de mortalité peut être égal à entre 2 et 3 %. Donc, au total, il faut, ce n'est plus 205, hein, mais c'est aussi 210 naissances. 210, il faut. Et, bon, attends, je l'ai bien écrit. Il faut 210 naissances. 210 naissances pour 100 femmes. Pour 100 femmes. Les gens qui sont en soit 210 enfants divisé par 100 égale 2, après 2,2 enfants, 1. C'est ça. D'accord. Donc, après, on va faire des exercices plus tard. Pour mieux cerner cet indicateur. Bon, indicateur de mouvement, toujours hein, dans la rubrique indicateur de mouvement, on a l'immigration. Immigration.
immigration. Immigration. Immigration, définition, définition, définition. Pour ça, je vais dicter, vous écrivez. Définition, deux points. Est immigré. Le verbe être, hein, à la troisième personne du singulier, est immigré au Sénégal, est immigré au Sénégal, toute personne née étrangère, née étrangère, à accent grave, à l'étranger, née étrangère à l'étranger et résident au Sénégal. Définition donc, je reviens sur la définition. Est immigré au Sénégal, toute personne née étrangère à l'étranger et résident au Sénégal. Point à la ligne, une puce, une puce, population, population au pluriel, population avec S, population avec S, étrangère, et immigrés ne se confondent pas totalement. Population S, étrangère et immigrés ne se confondent pas totalement. Ne se confondent pas totalement. À la ligne, tirez, tirez un immigré, un immigré. Un immigré, lorsqu'il devient Sénégalais, un immigré, lorsqu'il devient Sénégalais, n'est plus, lorsqu'il devient Sénégalais, n'est plus considéré comme étranger. N'est-ce pas? Un immigré, lorsqu'il devient Sénégalais, n'est plus considéré comme étranger. Et il y a l'inverse aussi, et à l'inverse. Donc, par exemple, un immigré qui est venu ici, après, il a eu la nationalité sénégalaise, donc il n'est plus étranger. N'est-ce pas? Bon. À la ligne. Certains étrangers, né au Sénégal,
Certains étrangers, même au Sénégal, ne sont pas. Ne sont pas immigrés. Je pense aux personnes qui sont envoyées par leur pays pour travailler pour leur, pour compte de leur pays. Officiellement parlant, dans les ambassades, dans les sociétés, des choses comme ça. Donc, même si la personne est née au Sénégal, elle n'est pas immigrée. Bon. À la ligne, une autre piste. C'est le pays de naissance et non la nationalité à la naissance qui définit l'origine géographique des immigrés. C'est le pays de naissance. C'est le pays de naissance. C'est le pays de naissance et non la nationalité et non la nationalité qui définit l'origine géographie l'origine géographique des immigrés. C'est le pays de naissance et non la nationalité qui définit l'origine géographique des immigrés. L'origine géographique des immigrés est déterminée par là où il est né. Par est définie par l'origine géographique et non par nationalité. Donc, tu peux être de parents, tu peux être de parents. Oh. Disons, malien. Mais être né, par exemple, au Sénégal. Donc, c'est le pays de naissance qui définit l'origine géographique de l'immigré et non la nationalité. Si on parle de son origine géographique, c'est là où il est né. Mais il peut avoir une nationalité différente. Bon, maintenant on vient aux formules. Donc, maintenant, toujours au niveau des indicateurs de mouvement, il y a l'excédent entre parenthèses solde naturel. Excédent. Excédent. Solde ou bien solde naturel. Un excédent, ça veut dire un surplus. Naturel, ça veut dire ça vient de façon naturelle. Ça, c'est la naissance. Donc, excédent ou bien solde naturel, c'est égal au nombre. Vous pouvez écrire au complet. Au nombre total de naissances nombre total de naissances
divisé par notre date de naissance. Je suis en train de mélanger, comment ça se passe? Notre date de naissance, moins nombre total, de nombre total d'excédents. C'est-à-dire excédent naturel ou bien solde naturel qui indique ou bien qui fait partie des indicateurs du mouvement, c'est le nombre total de naissances moins le nombre total de décès. Pourquoi on dit naturel? Parce que c'est la naissance et le décès. Donc ça vient, c'est naturel. Donc le nombre total de naissances moins le nombre total de décès. Bien sûr. Ça, c'est l'excédent. C'est un indicateur du mouvement. Maintenant, quand vous avez calculé ça, l'excédent, solde naturel, nombre total de naissances, moins nombre total de décès, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le taux d'accroissement. On a dit que les taux, c'est le pourcentage. Le taux naturel, bon, en général, les naissances dépassent les décès. Bon, sauf dans certains pays. Des pays où les gens, les populations sont vieillissantes. Donc, c'est pourquoi on dit toujours excédent. Taux naturel. Donc, ça, c'est en pourcent. Le taux, c'est en pourcent. Taux naturel. En fait, j'ai trouvé taux d'accroissement. On pouvait faire comme ça, écrire en taux d'accroissement. Taux d'accroissement, accroissement naturel, en pourcent. Donc, c'est ça, N, j'ai oublié, c'est égal au nombre total de naissances, moins le nombre total de décès, n'est-ce pas? Divisé par, c'est mélange, divisé par la population totale moyenne d'une année. Population totale moyenne d'une année, ça fait l'année 2000. C'est un pourcentage 2023, 2024. Le taux d'accroissement naturel en pourcentage est donné par la formule nombre de naissances moins nombre de décès sur la population totale moyenne. Et vous êtes 100%, vous n'êtes pas 100%. Voilà. Ça, c'est le taux d'accroissement naturel. N'est-ce pas? Excédent ou somme naturelle. C'est ça, le nombre total de naissances moins le nombre total de décès. Maintenant, rapporté à la population totale moyenne, on a une année donnée, ça donne le taux d'accroissement naturel. Bon, maintenant, on va passer au solde migratoire. Maintenant, on parle de migration. Solde migratoire. Solde migratoire. Nombre total d'immigrés. Nombre total d'immigrés. Nombre total d'immigrés. Nombre total d'immigrés. Nombre total d'immigrés, je voulais abréger, mais bon, il faut écrire nombre total d'immigrés moins nombre
total d'émigrés. Ceux qui sont partis, moins ceux qui sont venus. Voilà. Donc, ça, c'est E, émigré. Ça, c'est I, immigré. Ça, c'est le son. Allez, la somme, quoi, pour voir. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? N'est-ce pas? Mais quand vous calculez ça, les quotients, maintenant vous allez calculer aussi le taux moyen, le pourcentage. Donc maintenant, comme ça, c'est le taux, ils appellent ça le taux net. Le taux de migration, le taux net de migration. Le taux net de migration, c'est 1%. Égal, nombre total d'immigrés, moins nombre total d'immigrés, divisé par population totale. Moyenne. Divisé, moi je fais cette partie divisée comme ça. Population totale. Mais en moyenne, quoi. En moyenne, c'est la moyenne. Mais n'oubliez pas, ça c'est en pourcent. Quand on dit taux, c'est le pourcentage. Vous avez écrit, hein? I, immigré total, moins émigré total sur moyenne de la population totale, et vous écrivez en 100%, en pourcentage. N'est-ce pas? Ça, c'est le taux de migration net. Maintenant, comme c'est le bon point, il y a des naissances, il y a des décès. Il y a des gens qui voyagent, d'autres. Il y a des gens qui partent, d'autres qui viennent. Donc maintenant, on va calculer le solde total. Le solde, la somme, le solde total. Solde total. Solde. Solde total. Solde total. Solde total, c'est comme ça. Allez, les soldes. Vous prenez d'abord la naissance. Naissance. Moins décès. Va donner un chiffre. N'est-ce pas? Plus ceux qui partent, moins ceux qui viennent, immigration et émigration, ça va donner un chiffre. Voilà. C'est ça le solde total. Donc, c'est ça qui fait que les populations augmentent chaque année. Parce que souvent, les naissances sont beaucoup plus. Ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif pour le Sénégal. On sait jamais, le Sénégal, je ne sais pas. Et après, vous aurez une certaine somme ici. C'est ça, les handicapés. Bon, il reste à peine 4 minutes. Bon, écrivez juste
Le prochain sous-titre. Le prochain sous-titre. Principes de base. Mais après, on va faire des petits exercices pour que ça soit compréhensible. Principe de base de l'analyse démographique. Principe S de base de l'analyse démographique. Principe de base de l'analyse démographique. La prochaine fois, on va projeter. La prochaine fois, on fera la projection, Inch'Allah. Principe de base de l'analyse démographique. Principe de base. Principe de base de l'analyse démographique. Bon, il reste encore 2 minutes. La variation d'effectifs comme objet d'étude. Variation. 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 D'effectifs. Comme objet. Objet d'étude. D'étude. Bon. Variation. Variation d'effectif. Variation de l'effectif. De l'effectif. De la population, de la population, de la population, j'en parle. Bon, variation de l'effectif de la population, ici, mortalité, pour analyser la variation de l'effectif de la population, il faut prendre en compte les chiffres de la mortalité, n'est-ce pas? La mortalité aussi, l'influence, ils ont même fait comme ça, c'est des pointillés, plus ou moins influence, mais ce n'est pas directement la fécondité. La fécondité. Fécondité. La fécondité, hein? Et la fécondité agit sur la variation. Et puis là, ici. Bon, je devrais descendre un peu plus. Ensuite, il y a la nuptialité. 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 Nuptialité.
On ne laisse plus de place pour que le ciel soit visible. Ensuite, il y a la migration. La migration qui agit aussi sur la variation des effectifs. Voilà, l'initialité, ça agit la fécondité, mais la mortalité aussi, plus ou moins, agit sur la fécondité. Donc, c'est ça le problème qu'on verra à la prochaine fois. Bon, il faudrait projeter maintenant. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Merci.